Hello! C'est le mois de septembre, c'est la reprise, c'est les impôts qui arrivent par la boîte aux lettres, c'est les jours qui baissent, le matin qui commence plus tard, le matin qui est plus frais aussi. Donc on repart sur un nouveau cycle, une nouvelle année, basée sur le rythme scolaire. Et c'est difficile, ça peut être difficile de reprendre, de se remettre dans le boulot, de reprendre les habitudes du boulot, faire des trajets en voiture, en métro, voilà, de se replonger dans ce quotidien alors qu'on sort des vacances. Pour la plupart, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pris de vacances et qui ont continué leur rythme. Donc ce que je voulais vous dire ce matin, c'était de trouver. Si c'est dur pour vous d'abord, si c'est dur pour vous de reprendre justement le boulot, de vous focaliser sur un moment, quelque chose que vous faites le matin avant de partir travailler et qui vous donne de l'air, qui vous donne du plaisir. Par exemple, moi, ben, c'est de promener mon chien. Alors, moi, j'ai la chance d'être à côté d'un parc, d'une colline. Et moi, avant d'aller bosser, ben, je vais promener mon chien et d'être dans la nature, d'être dehors, de me sentir. Apaisé dehors comme ça, eh bien ça me fait beaucoup de bien et ça me prépare à une super journée. Donc voilà, je vous invite à trouver un truc. Ça peut être faire votre café, prendre le temps de sentir l'odeur du café ou du thé. Ça peut être vraiment, vraiment n'importe quoi, mais du moment que ce soit quelque chose qui vous détende, lire un bouquin peut-être, faire quelques exercices au réveil, juste respirer, faire. Avoir une pensée pour quelque chose, quelqu'un, un moment qui vous a été qui a été très fort dans votre vie, où vous étiez super heureux. Ça peut être un moment de gratitude. Voilà, il y a plein plein de choses que vous pouvez faire le matin qui durent pas longtemps, hein. C'est pas forcément quelque chose qui va durer très très longtemps. Bon, à part bien sûr la balade dans les bois et qui peut durer un peu plus longtemps que juste une simple petite méditation de 5 minutes. Ça aussi, c'est une autre idée. Voilà, donc c'était les idées du matin pour partir en forme et reprendre cette année scolaire sur des charbons ardents. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Salut!